Bienvenue dans la base de données de l'écran savant. À partir de maintenant, votre téléviseur est branché sur notre circuit. Information demandée, les muscles. Votre demande est analysée par l'écran savant. Soyez prêts, nous entrons dans les archives de biologie. Le mouvement est une propriété commune à tous les êtres vivants. D'une façon ou d'une autre, tous ont besoin de chercher de la nourriture, d'éviter leurs ennemis et de se reproduire. Et pour cela, ils ont besoin de bouger. Même les êtres unicellulaires les plus microscopiques sont capables de se mouvoir, ce qui leur permet de se débrouiller dans leur milieu et de survivre. Les plantes semblent immobiles. Pourtant, la circulation d'hormones et de signaux électriques leur permet de bouger au gré du soleil ou du vent. Les animaux complexes comme les poissons, les oiseaux et les animaux terrestres sont perpétuellement en mouvement. Leur faculté de bouger est parfaitement adaptée à leurs besoins en nourriture et leur instinct de survie. Ainsi, les félins sont spécialistes en courses courtes mais très rapides. L'homme est un animal plus lent, mais il peut courir 50 km sans s'arrêter, chose impossible pour un félin. Pour se déplacer avec adresse dans la mer, traverser l'air ou flâner entre les arbres, les animaux disposent d'éléments moteurs qui actionnent leurs os et leurs articulations. Ces éléments moteurs, ce sont les muscles. L'activité des muscles permet à votre corps de bouger de façon extraordinairement variée et efficace. Les muscles. Les muscles accomplissent différentes fonctions indispensables à l'organisme. Ils protègent les os, les articulations et beaucoup d'autres zones du corps. Ils sont d'une telle importance pour l'homme qu'ils représentent près de la moitié de son poids. Vos muscles ont des formes et des tailles différentes. Certains, comme ceux de la jambe, peuvent mesurer plus de 50 cm. D'autres, comme ceux de la main, sont très petits. S'ils sont les plus gros consommateurs d'énergie de l'organisme, ils sont aussi sa principale source de chaleur. Ils sont, pour ainsi dire, les radiateurs qui aident à maintenir votre corps à la bonne température. Certains muscles ont une importance décisive dans le fonctionnement interne du corps. Ainsi, le muscle myocarde est à l'origine des mouvements du cœur. Ses contractions permettent au sang de distribuer les nutriments et de recueillir les déchets dans tout le corps. Les mouvements de ce muscle sont régis par le système nerveux involontaire. Les vaisseaux sanguins sont entourés de muscles, un peu comme un fil autour d'une bobine.
Vous possédez aussi des muscles involontaires dans le tube digestif et les voies respiratoires. Si tous les muscles étaient volontaires, votre vie serait en danger à la moindre distraction de votre part. Même les légers mouvements qui régulent l'entrée de lumière dans l'œil sont dus à un minuscule muscle involontaire, l'iris. De la même manière, il y a de petits muscles qui entrent en action de façon inconsciente lorsque vous avez très peur ou très froid. Ce sont eux qui vous filent la chair de poule. Mais la fonction primordiale des muscles est de produire le mouvement du corps. Cette tâche est confiée aux muscles que vous pouvez contrôler et qu'on appelle les muscles squelettiques. Les muscles squelettiques. Ce qu'on appelle communément la chair, ce sont les muscles volontaires. Vous en avez plus de 650. Sans eux, votre corps serait un sac d'os et de viscères, sans aucune possibilité de mouvement. Ces muscles sont appelés squelettiques, parce qu'ils sont rattachés aux os. Le visage contient à lui tout seul 30 muscles permettant une grande variété d'expressions et de mouvements, comme l'étirement des commissures de la bouche pour sourire. Les 20 muscles de la main font d'elle un outil parfait. Tous les muscles squelettiques sont formés de cellules spéciales, les fibres. Elles sont striées et formées de minuscules myofibrilles disposées en parallèle dans chaque cellule. Les myofibrilles sont essentiellement formées de bandes parallèles de protéines, l'actine et la myosine, qui sont entremêlées comme si on assemblait deux brosses à dents. Ce sont ces deux protéines qui produisent le mouvement du muscle. Quand les myofibrilles sont stimulées, elles se contractent en entrelaçant les bandes d'actine et de myosine. Le mouvement des fibres musculaires est toujours un mouvement de contraction. L'intensité d'un mouvement dépend de la quantité de fibres qui se contractent. Mais pour que le mouvement se produise, il faut que les muscles volontaires soient reliés aux os et aux articulations. Cette liaison est assurée par des structures très résistantes, les tendons, qui sont rattachés en même temps aux os et aux muscles. Les tendons sont chargés de transmettre la contraction musculaire et de produire le mouvement de l'articulation correspondante. Lever le genou, allonger le bras ou tourner la tête. Le système musculaire est assisté par le système circulatoire dans son fonctionnement et suit les ordres envoyés par le système nerveux. Le mouvement. Marcher semble être un mouvement très simple, mais en réalité, c'est une succession de mouvements très complexes. Il suffit de considérer le temps que mettent les enfants pour apprendre à marcher, à passer d'une jambe à l'autre et à bouger les muscles des jambes ou du bassin. De la même manière, pour faire du vélo ou pour nager, il faut d'abord apprendre les bons mouvements. Un muscle isolé ne servirait à rien. Si un muscle bouge une articulation dans un sens, d'autres muscles permettent de faire le mouvement contraire. Quand le premier muscle, appelé agoniste, se contracte, les autres restent décontractés. Pour effectuer le mouvement inverse, le premier muscle se décontracte
et les autres, les muscles antagonistes, se contractent. Pour certains mouvements, les muscles agonistes et antagonistes atteignent un degré précis de contraction, ce qui leur permet de se répartir l'effort. Le cerveau a besoin de quantités d'informations pour une action aussi simple que faire la cuisine. Les muscles qui plient le bras à la hauteur du coude doivent se décontracter pour permettre à l'avant-bras de s'étendre. Ceux de l'épaule procurent la stabilité nécessaire pour soutenir le poids du bras tendu et celui de la louche. Et quand on avance le corps, les muscles des jambes doivent compenser le déplacement du centre de gravité. Et pourtant, certains muscles réalisent des mouvements dont l'ordre ne provient pas du cerveau. Ce sont les actes réflexes, qui agissent de façon autonome sur la moelle épinière sous l'effet d'un stimulus. En somme, les réflexes sont des réactions musculaires involontaires et très rapides. Les pupilles, par exemple, se dilatent ou se contractent en réponse aux variations de la lumière. Ou autre réflexe qu'on peut qualifier de défense, lorsque vous retirez rapidement votre main devant une source de chaleur extrême. Le système musculaire se développe jusqu'à 30 ans environ. Ensuite, une lente dégénérescence commence. Le nombre de fibres musculaires n'augmente pas au cours de la vie. En revanche, sa taille et le nombre de capillaires sanguins qui les alimentent peuvent augmenter. Quand vous faites de l'exercice de façon régulière, les muscles répondent mieux à l'effort, que ce soit les muscles squelettiques, les muscles lisses ou le cœur. Le myocarde devient plus grand et fort, et le nombre de capillaires augmente. En étant plus fort, il peut pomper plus de sang à chaque battement, en faisant moins d'efforts. De même, le flux sanguin fait augmenter la taille des vaisseaux et évite d'éventuelles obstructions. L'exercice, quel que soit l'âge, favorise la conservation de ces éléments si importants pour le corps. Résumons. Les muscles protègent les organes, les os et les articulations. Près de la moitié du poids du corps est constitué de muscles. Certains, comme ceux des jambes, sont longs, alors que d'autres, comme ceux des mains, sont courts. Outre le fait de consommer une grande quantité d'énergie, les muscles se chargent de réchauffer notre corps. Le muscle myocarde permet la distribution du sang dans tout l'organisme. Il y a des muscles qui entourent les vaisseaux sanguins comme un fil autour d'une bobine. Les muscles squelettiques sont composés de fibres striées. Chacune est formée de minuscules myofibrilles, constituées de deux protéines, l'actine et la myosine. En réaction à un stimulus, les myofibrilles se contractent, entrelaçant les bandes d'actine et de myosine. L'intensité du mouvement dépend de la quantité de fibres qui se contractent. Certains muscles masticateurs sont capables de se contracter et d'exercer une pression de 38 kg par centimètre carré. Les tendons se chargent de transmettre la contraction des muscles pour bouger les os et les articulations. Si un muscle bouge dans un sens, il en existe toujours un autre qui permet de faire le mouvement contraire. Les actes réflexes sont des mouvements automatiques. Ils sont souvent des actes de défense.
le système musculaire se développe jusqu'à 30 ans environ. L'activité physique entretient les muscles. L'écran savant espère vous avoir été aussi utile qu'agréable et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.